Un collaborateur non Valerio Saint-Louis a mené nous dans la ville Ottawa au Canada pour nous découvrir la communauté haïtienne dans l'autre bord. Pendant le passage VOA Creole dans le Canada pour couvrir le sommet Canada-CARICOM qui a déroulé dans la ville Ottawa, nous avons constaté que dans la ville Ottawa, il y a une communauté haïtienne qui a grandi. Moi, c'est Claude Junior Emile. Et ça n'a pas fait longtemps depuis que je quitte Haïti, mais nous prenons compte tout à Ottawa, qui est la capitale nationale du Canada. Il y a une forte communauté haïtienne, justement, dans la zone ça, nous dans la zone Vanier. Moi-même, c'est Edi Chéri, moi j'ai 50 ans ici à Ottawa, je suis milité. Qui est la communauté haïtienne? Il y a ce grand pile monde et qui ça a fait haïtien ici? Bon, ils sont bien, ils vivent très bien, mais l'économie n'est pas tellement bon, c'est ça qui me met. Qui a nos plus problèmes, c'est le problème économique et puis problème réalité sociale. Là, normalement, les ministres sont capables de faire 20 ans haïtiens à Ottawa. Moi, je suis Clifford Michel, mais non, artiste, moi, c'est Negman. Je personnellement que tout haïtien mettait ensemble pour nous. Il y a une base ici à Ottawa, comme nous, qui a gardé le signal dans le centre-ville. Nous avons des chinois, des chinois qui mettent ensemble pour gérer, à faire ensemble. Dans Ottawa, donc, on a fonctionné. On a fonctionné, nous avons. Nous dans business malgré communauté à nous qu'a dit ça et il pas très élevé vraiment la façon dont la communauté a bougé donc nous pas bouger comme ça. Le nom de l'entreprise c'est Fenelon Multi Service et nous avons beaucoup de choses ici. Il y a un barber shop et beauty salon. J'ai 26 ans ici là dans cet endroit là. Je suis photographe de presse. Je travaille pour toutes les ambassades de l'Afrique en tant que photographe professionnel. Et c'était à la résidence de Michael. Le gouverneur général d'Ottawa. Il y a des nouveaux ambassadeurs qui étaient venus. C'est là pour recevoir les lettres de créance. Ici, là, nous avons une place là, côté du café média, tout contenu média. Nous avons une chance plus pour développer. Puis en plus de ça, nous avons plusieurs services. Nous avons soit entrepreneurs ou besoin de financement, nous avons training, nous avons formation, nous aidons à développer business surtout, nous créer business là avant, nous chercher l'argent avant. Surtout le gouvernement fait annoncer un paquet d'argent pour quasiment presque 700 millions de dollars pour la communauté noire. Que nous menons sur Ottawa Black Business, nous servons toute communauté noire au complet. Mais les jeunes haïtiens, ils sont là. Moi, je suis Patrick Auguste, mon gars à peu près une vingtaine d'années dans la zone. Ce sont des communautés qui parfois semblent un peu à des fonctionnaires. Ou bien l'impression de se communiquer qui est un peu passive. Un peu attentiste. Moi-même, c'est ça, moi, un peu, parfois, mon petit dérangement par rapport à ça. Restaurant, ça, bien placé, dans Ottawa, downtown, puis la haïtienne, dans Ottawa, surtout à Orléans, et puis ici, downtown, Montreal Road, Rideau, nous avons pile une communauté haïtienne ferme. Il y aurait mes griots, du riz collé, il y a acheté un pile du riz, fait que nous passons pile du riz collé, piclis, bon et blanc, il y a quatre mains de piclis. VOA Creole, toujours content de rencontrer compatriotes haïtiens, quel que soit côté à travers le monde. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis.